Bonsoir tout le monde, bienvenue ici Jake, vous êtes sur Iva Sound Studio. Si vous ne savez pas encore ce que c'est, lisez en bas du stream, renseignez-vous un peu partout et posez des questions, on y répondra avec plaisir, soit moi, soit mes camarades dans le chat et ailleurs. Ici Jake, du coup, petite semaine de rentrée, on va y aller tranquille cette semaine, après ça sera un petit peu plus intense. Mais avec quand même pas mal de nouveautés et des choses à faire et à refaire. Et ça, à la base, c'était pas trop prévu. C'est tombé en plein milieu de l'été. Et donc, retour de New Pokémon Snap, c'était pas prévu. Avec une mise à jour que vous voyez à l'écran et que qu'on va découvrir ensemble. Je sais qu'il y a 3 zones à faire. Du coup, sur cette semaine, il y aura 3 streams New Pokémon Snap et bien d'autres choses, bien entendu. Du coup, on va se concentrer sur ça ce soir. Qu'est-ce que j'ai à vous dire avant ça? Allez voir la bande-annonce de notre saison à venir avec les jeux qu'on va pouvoir faire en stream. Il y en aura d'autres évidemment, mais c'est pour vous donner un petit avant-goût avec aussi plein de surprises et de choses inédites que vous n'avez pas encore vues en stream et qu'on espère qu'ils vous pourront, que ça pourra vous faire plaisir. Voilà. Sinon, j'espère que vous allez bien, vous êtes confortablement installés. On y va, c'est parti. New Pokémon Snap annonce de la mise à jour. J'ai pas encore cliqué. Hein. C'est vraiment, on va voir ça ensemble. Qu'est-ce que ça va nous annoncer? J'espère que vous m'entendez bien au passage, vu que entre temps j'ai formaté mon PC, je ne m'en cache pas, et que j'ai dû refaire pas mal de réglages. Donc niveau son, faut me dire si ça va ou si ça va pas. Donc je vois que la barre de son a l'air pas mal, mais si on m'entend pas, autant me le dire, je crierai un peu plus fort. Du coup, bonsoir Ando, bonsoir Wedgeuse dans le chat, poète poète à toi aussi. Hop là. Là, on est bon. Que nous dit la mise à jour? Ajout de nouvelles zones. Chemin caché, de jour et de nuit. Fleuve Rabord, de jour et de nuit. Et terre désolée, de jour et de nuit. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire tout ça? Fleuve Rabord, bon, bah, Pokémon aquatique, Pokémon plante. Terre désolée, Pokémon sol, probablement. Peut-être vol, peut-être feu, je ne sais pas. Chemin caché, par contre, je vois pas du tout. Chemin caché, quelque chose, psy, spectre, mais ça, là, je sais pas. Oui, parce que je me suis pas spoil, en fait. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Des conditions doivent être remplies pour débloquer ces nouvelles zones. Eh ben, allons-y! Ajout de nouveaux contenus, filtre autocollant, cadre, icône de profil, titre d'exploration, on s'en fout. Mise à jour et des conditions d'achèvement. Les conditions pour terminer certaines zones ont été modifiées. Ah, ils ont peut-être nerf le jeu. Les nouveaux Pokémon n'attendent que d'être... Oh, d'accord, il y a des nouveaux Pokémon en plus. D'accord. Eh bien, il y a du boulot. Hein. Ça commence par une cinématique. Ah oui. Professeur, vous avez l'air bien joyeux aujourd'hui. Ah, vous voilà, vous tombez à pic. Oui, désolé, je m'en vais faire des voix. En analysant de nouveau certaines données que nous avons récoltées, j'ai découvert l'emplacement de nouveaux sites de téléportation. Ah, c'est à Calais. Ok. L'un d'entre eux se trouve près de la jungle de Calais et l'autre est situé au fond du désert de Aptos. Ah, oh, ils sont pas embêtés pour le point là. Une super nouvelle, mais est-ce qu'on n'a pas déjà fait le tour de ces îles? Tu sais, chaque exploration apporte toujours quelque chose de neuf, c'est ça la beauté de la recherche. Étant donné que vous avez déjà exploré ces îles, je suppose que vous y trouverez des écosystèmes similaires. Salut Draken dans le chat. Mais c'est à nous d'aller explorer ces nouvelles zones pour en avoir le cœur net, pas vrai? Exactement, je compte sur vous. Mon dieu, il est toujours là lui. Apparemment, ces nouvelles zones seraient susceptibles de me rappeler des souvenirs. Pourquoi t'y es déjà allé? J'ai hâte de voir ce que cette exploration va donner. Trop cool, je vais prendre un match de photos. C'est pas ici que j'avais réussi à griller un petit parcours aquatique. À griller? Comment ça, à griller? Je sais plus. Vous avez obtenu un nouveau filtre. D'accord. Ouais, des ballons, d'accord. Un bandana. Ok. C'est bon, on peut jouer maintenant?
Ah oui, le Lugia, oui, oui, pardon, c'est vrai, en effet. Oui, 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 j'ai rien dit, c'est vrai, vous avez totalement raison. Vous avez raison. Allez, direction l'exploration du coup. Qu'est-ce qu'il me veut? Faut que je te parle d'un truc, mais c'est top secret. J'ai entendu dire que le prof est en train de tester une nouvelle fonctionnalité pour le Neo One. Vraiment ou pas, mais il paraît qu'elle permet au Neo One et à son pilote de devenir tout petit. D'accord, c'est nouveau ça. Ça te dit de tester ça vite fait? Ouais, on est dans Chéri, j'ai rétréci les gosses ou... Elle va tout balancer. Ok, elle va tout expliquer. Et il va tout expliquer. Faut utiliser le radar à un certain endroit du parc naturel. Oh punaise, il y a des nouveaux chemins sur les parcours existants. Oh là là. Je sais plus jouer moi, ça fait longtemps hein. Il se fait vieux, Jake, pas trop ça la mémoire, je vous jure. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver l'endroit. Je dirais que tu satures. Oui, comme je l'ai dit, hein, formatage PC, réglages qui ont sauté, mais le truc c'est que le micro il atteint pas le jaune là, donc je comprends pas trop. J'en sais rien. Là on va faire avec. J'écouterai ça sur la VOD, mais pour l'instant ce soir on fait avec. Nouvelle zone dispo. Ici. Et ici. Eh bien, j'ai envie de faire une fois le parc naturel pour voir cette histoire des tout petits. Et sinon, on va passer la soirée au fleuve Rabord, en fait. Tout simplement. Let's go. Je sais pas pourquoi il y a cette idée de devenir tout petit. Il n'y a pas tant de Pokémon si petits que ça en vrai. Alors comment ça se fait? Ça c'est la musique. Ça c'est le radar. Ça c'est les orbes. Ça c'est les pommes. Ça c'est les photos. Ok, allez on accélère. Ça je m'en souviens. On accélère, on va pas prendre 50 photos, on est juste là pour voir. Le radar. Je sais plus jouer, au secours. Prends pas de photo, hein, c'est juste pour vraiment voir ça on connaît déjà. Là ici. Cette qualité de l'arbre ça me menait quelque part. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, tout petit, oui, il rigole pas. Oh bordel, c'est pour voir les Pokémon en plus grand. Ok. C'est moi qui avais laissé les voix japonaises? Je me souviens plus. Sûrement. Hein. Oh, pou, il m'a fait peur lui. Ah, il m'a fait flipper. Hein. Oh là, qu'est-ce que c'est? Oh, trop bien. Lui, je l'avais toujours quasiment raté. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Des balignons. C'est quoi ça?
Mais il s'est posé sur le vaisseau, lui. Et mon gars, en fait, ils l'ont mis là parce que tout le monde n'arrivait pas à l'avoir. Ça doit être ça. Pokémon Snap, jeu d'horreur depuis la mage. Complètement, c'est exactement ça. Non, j'ai raté un radar. Des balignons. Qu'est-ce que... Oh, il y a un truc terrible. Qu'est-ce que... C'est les fesses d'un Kenotaur. Sérieux, en gros plan, quoi. Ah oui, oui, c'est plus un jeu pour les enfants, là. Mon dieu, le Torterra, il est magnifique. Derrière, il y a des gros papillons. Mon Dodrio, je vais spammer. Ah, on passe sous le Torterra. Waouh. On lui gratouille le bidou, au passage. Pardon, monsieur. Pokémon Snap Only Fan Edition. Non, quand même pas, faut pas exagérer. Oiseau. Wow! Mais arrête de me faire. Il a fait vibrer la manette et tout. Oh là là, cette photo. Mais c'est qu'il est vénère le Dodrio là. On va se calmer, hein. Ah oui, ça y est, le Dodrio, il a décidé d'attaquer le gang des Torterra. Regardez, j'ai mis de la lumière. Bon ben ça y est, ça a calmé tout le monde. Et eux ils sont dessus. C'est sympa en vrai d'être tout petit, ça permet de voir des choses intéressantes. Qu'est-ce que c'est ? Un nid de Pokémon oiseau. D'accord. Des jolies fleurs. Très jolies fleurs. En vrai, les fleurs elles sont même beaucoup plus jolies comme ça que quand on est grand. La version test, on peut pas aller plus loin. Ah. Tu devrais retrouver ta taille normale quand tu sortiras de là. Ah, ok. Et pouf! Non, non pas. Oh. Enfin, les Pokémon qui voient ça, excusez-moi à côté, mais je suis un Pokémon, je vois mon vaisseau comme ça, je flippe. Hein. C'est pas naturel. Hein. Mais les Torterra, ils sont pas censés être. Qu'est-ce que c'est? Nafali ? Qu'est-ce qu'il fout là ? Je m'en souvenais pas. Dodrio, il est derrière. Des pipillons, des guirlandes, des machins là, des champignons. Oh, belle photo. Ah, il s'est tourné. Des guirlandes. Ok. Je pense qu'ils ont vu assez de choses pour ne jamais être choqués. Ouais, en même temps, c'est Pokémon. Hein. Qu'est-ce qu'il me veut, le monsieur? Ah, on a quand même des points d'exclamation. Ok, donc ça veut dire qu'on a quand même fait du bon travail. Bon, je n'y popote. J'ai déjà des photos diamants en fait, donc c'est pas intéressant. Flambibi, c'est que du diamant aussi. Je sais pas, ça là. Dodrio. Ça là, les trois en gros plan. Ça là, il est retourné. Bon, on va tenter ça là. Emolga.
c'est de l'argent. Il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant. Et en deux, c'est de l'or. On va partir sur ça. Il y a la 4 qui est pas mal. La 5, même la 6. Je vais mettre la 6. Balignon en une. Allez, ça là. Quenotor, ça va être ses fesses. Voilà. Si cette photo fait des points, ça m'embêterait quand même. Torterra en 2. Soit celle-là où on le voit en entier, mais il est loin et on voit les pas du Dodrio. Soit celle-là. En vrai, celle-là, je la trouve mieux. Il sourit. Pichu. J'ai raté Pichu. Bon, on va mettre celle-là. Nirondelle, il y en a qu'une. Guériland, il y en a pas tellement. Et Nymphalie. J'ai un peu abusé sur Nymphalie. C'est du diamant, donc quoi qu'il arrive, c'est pas intéressant. Je dirais la 6 là, ou alors. Allez, on va tenter la 4. Montrer au prof. Bon, ça c'était évident. Ça aussi, un petit peu. Ah tiens, une photo mieux. Bon, bah écoutez, c'est gratuit. Dodrio, sérieusement? Diamant avec ça? Généreux. Molga, bon, ça je m'en doutais. Balignon, on ne l'avait pas encore. Donc, en gros, ils ont rajouté des Pokémon même dans les anciennes zones. Ça le truc. Ouais, ça se joue pas de beaucoup pour une infolie. Chemin jour, niveau d'exploration, niveau. Ils ont rajouté des niveaux d'exploration exprès pour les trucs alternatifs en étant petit, sérieux? Oh là là, il y a tellement de nouveaux contenus. On fera vraiment les nouvelles zones, ces trucs-là, on va pas forcément les faire ensemble. Oh, un petit cadeau! Un score remarquable. Oh, oh. Petite réunion. C'est la mode en ce moment. Le professeur miroir. Ah, il nous a cramé. Oui, pardon. On est désolé. Ne soit pas si dur, au moins ils sont revenus avec des clichés. Il était au courant, lui, sérieux. Quant à vous, gardez à l'esprit que cette fonctionnalité n'est pas complètement au point. Pourquoi il dit ça? Vous pouvez vous en servir, mais seulement dans le parc naturel. Oh punaise, chemin caché, c'est ce que je viens de faire en fait. D'accord. Mince, c'est une des trois nouvelles zones. Ah punaise. Des fois, faut que je réfléchisse. Hein. Nouvelle mission. Trio de danseurs. C'est où?
Ah, faut faire danser des balignons. Ouais, ça je vois aussi. Ok, ok. Okay. Alors, on revient sur l'exploration. Nouvelle zone disponible. Chemin caché. Oui, oui. Un parcours miniature secret accessible grâce à une fonction du Neo One. Mais je vais changer mes plans. Tant pis. Ça sera pour plus tard dans la semaine. Et on va rester sur le chemin caché en fait. À monter le niveau dessus. Ouais. Donc en fait, j'ai bien fait d'aller là-dedans pour découvrir le chemin caché. Sinon, j'aurais pas trouvé. Ok. Chemin caché, deux jours et deux nuits. Un passage secret dont seuls les Pokémon connaissent l'existence. Ce monde miniature propose une expérience unique. Ok. Eh ben c'est parti. Et donc l'idée, pour ceux qui n'ont pas suivi en fin de saison dernière cette aventure New Pokémon Snap, c'est d'aller au niveau max d'exploration de chaque zone de jour et de nuit. Bon, si on peut faire des belles photos au passage, tant mieux, hein. C'est les priorités sur l'exploration. Alors, donc là on est directement sur le parcours qu'on vient de faire. Donc là, c'est direction de la mitraille. Sachant que c'est des Pokémon en plus que j'ai déjà à d'autres endroits, en vrai, ça va être un petit peu compliqué d'aller XP. Mais t'es trop grand! Derrière ou pas? Non. Quoique. Non, c'est des plantes. Ce ne sont que de la végétation. Un truc. Un guérilland? Oh oui, c'est un guérilland. Il est loin. Ce sont des guérillandes. Ça, c'est quoi, des drillos? Ah, je tombe! Qu'est-ce que c'est? Et Molga, il est sur moi. Une troll. Et Molga ici. Ah, là, y a des machins. Non, c'est messieurs dames. Mais allez, on danse. On danse. Voilà, magnifique, bravo. Vas-y, bouge. Bouge ton corps, bouge. Magnifique. Magnifique. Je devrais baisser le son du jeu un petit peu car par moment c'est un poil trop fort. Ouais, mais je parle pas très très fort. Je fais ça juste après. J'y pense. Alors, les fesses du Kyonotor. Bouge tes fesses. Bouge ou pas? Non. Déjà... Oh! Magnifique! Oh, il est trop choupi. Bon, Torterra. Ah, je passe sur le Torterra cette fois. Ah, d'accord, c'est. D'accord. Je comprends pas tout, mais d'accord. Je suis sur le Pokémon. Alors ça, c'est nouveau, ça. Est-ce que je peux avoir le papillon, s'il vous plaît? J'y arrive pas. Papillon! Magnifique. Bon, il y a deux, je les ai déjà vus maintes fois. Mais les pommes, ça sert à rien quand on est petit, en fait. Oh! Dodrio, on se calme. Comment ça, il n'y a plus de photos? J'en ai déjà pris 60? C'est pas possible, j'en ai pas pris 60. Ouais, non plus. Je pense que là, il y a une action spécifique à faire ici. Oh, oiseau en vol. Ça oui. Oh, quand il saute. Ça doit être une belle photo. Bah, ça aussi d'ailleurs. Ça aussi. Torterra qui est content. Pardon, le feuillage. Thank you.
Il n'y a pas des choses là-haut? Enfin, là, je suppose qu'il doit y avoir. Un ancien homme, un oiseau, quelque chose comme ça. Un peu trop haut, peut-être, hein? Je ne sais point. Alors, leçon du jeu. Ça devrait être un peu mieux, mais dans les menus, vous n'entendrez pas grand-chose. Ah mince, c'est pas fini! On reprend là, pardon! Torterra. Dodrio. Des Guérilandes. Des Prismillons. Nymphalie. Il doit y avoir des Pokémon cachés, je pense. Ça me paraît bizarre que c'y ait presque que des Pokémon déjà vus. Surtout pour monter d'XP. Ah, bon. Tu devrais tester de donner des pommes en hirondelle pour le passage du nid. Oui. Tu as totalement raison. Normalement, le son du jeu, ça devrait être mieux. Moi, je le trouve faible, mais là, du coup, faut me le dire. Photo prise 72. Ah oui, en effet, j'ai mitraillé, en effet. Alors, du diamant ou du diamant, génial. Allez, on va tenter ça là. Flambibi. Du diamant ou du diamant. Alors ça là, elle est magnifique, c'est ma photo préférée. C'est pas vrai. Flambibi. Il est pas cadré, hein. Il est vraiment pas cadré. Donc je vais dire celle-là. Non, il n'en pas celle-là. Celle-là. Pichu. Et pareil, c'est du diamant, hein, donc. Pour une photo mieux là. Bon allez, on part sur ça. Dodrio, alors lui il est raté. Hein. Alors on a du diamant et de l'or. Bon allez, on part sur ça. Ça change, je pense pas que ça change grand chose. Mais... Guériland. Je les ai complètement ratés les photos. Mais c'est du diamant aussi. C'est là où on... Ouais, là on le voit plus, mais bon. Rougarnage, complètement raté. Emolga, voilà. Je pense que je pouvais pas faire mieux en gros plan. Balignon en 3, du coup. Hop là, on va aller le chercher. Alors, par contre, si on peut avoir le visage de celui de devant. Ah, celle-là, elle est drôle. J'en ai pris beaucoup là par contre. Allez, j'ai envie de mettre la 14, elle me plaît bien. La 14 me plaît vraiment bien. Que nos torts. Diamant, argent. Diamant, on va partir sur argent. Oh, choix difficile. Allez, celle-là. Il a l'air plus centré. Prismillon, du diamant.
Alors pour améliorer ça là par contre ça va être difficile. Ah peut-être la 3. La 3 ouais. J'ai pris 10 photos du machin quoi. La 3 ou la 10. Plutôt la 3. Allez la 3. Torterra. Bah c'est du diamant là aussi en fait. Donc à part troll en mode gros plan, je vois pas ce que je peux faire. Allez, qu'est-ce qu'il va dire le professeur? Amélioration sur le chenipote. Flambibi. C'est un bon score, mais bon, voilà. Pichu. Dodrio. Irulande. Garnage. Alors, faudra m'expliquer où est-ce qu'il est sur la photo, parce que moi, je le vois vraiment pas. C'est pour 1000 quand même. Emolga. Cette blague. Balignon. Que Notor. Allez, on se fait plaisir. Diamant. Parfait. Prismillon. Oh, c'est dommage. Torterra. Et c'est fini. Tu as fait des étincelles. 30 000 points d'XP. Il en manque encore 31 000. Ça va être dur. Hein. Surtout que je pense qu'il y a encore un niveau derrière, ou deux même. C'est un chemin, enfin c'est un parcours dans un parcours quand même. C'est impressionnant ça. Parcoursception. Ta montre est orange, bonne couleur. Non, elle est rouge. Elle est rouge. Et en vrai, selon les jours et les humeurs, je change le bracelet. Mais l'orange est beaucoup plus orange que ça. Mais en vrai, elle est rouge. Elle est magenta même. Vous avez obtenu un titre d'exploration, 500 points. Ben on y retourne, on recommence. Hein. Aujourd'hui, rouge comme la passion. Si tu le dis. Je vois pas du tout le rouge. Ouais, mais c'est l'éclairage qui est mauvais. Ouais, rouge comme Johnny Pot. Hein. Bon, j'arrête de prendre de spammer les photos comme ça. Il y avait des photos intéressantes à prendre un peu après. Alors, il y a lui, là, qui m'intrigue. Je suis sûr qu'il y a un truc à faire. Il s'est barré, ils se sont barrés. Punaise. Oh, bonjour. Arrête de me faire peur. Je m'étonne qu'il se barre. On voit rien, mais c'est pas grave. Voilà. Et il y en a deux en plus. Je viens de prendre 20 photos là, d'un coup, c'est gratuit. Ouah, Imolga, quoi. Ah mais non, je... C'est pas Imolga qui est sur moi, c'est moi qui suis sur Imolga. Ah, j'avais pas capté. D'où le planage, pas le planning, c'est autre chose. Mais vous m'avez compris. Ouais, photo. Salut. Que Notor en... Oh! C'est rigolo ça. J'aime bien ça là. Que Notor. Bonjour! Est-ce qu'on passe en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus? En dessous, d'accord. Je sais pas comment ça se décide. J'en sais rien. On aura le langage des roses marche sur les montres et les bracelets. Lol. Ah oui, on m'a dit les pommes sur le Nirondelle. Arrête de me faire peur. Où il va, lui?
Il y avait un prismillon derrière moi. Punaise. Bon, on va s'occuper d'eux là. Où est la fleur? Là-bas. Fuis. Eh bien. Dépêche. Raté. Allez, sautez. Sautez, sautez, sautez. 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 Au carnage. Sautez. À vous. Je fais n'importe quoi. C'est pas grave. Je pense qu'il y a un truc à faire, même d'eau retourner. Parce qu'il y a quand même trois Torterra. Il y a des guérilandes au fond. Il y a le nid, il est là. Et le nid, par contre. J'ai pas le temps de prendre la photo et de scanner le radar, quoi. Bon, il me reste moins d'une poignée de photos. Il va falloir faire les bons choix. Ça réagit pas au radar. Là, il y a un Torterra qui fait dodo. Les papillons, je les... ça sert à rien, c'est pas intéressant. Non. Les guérilandes, pareil. Ici, c'est pas intéressant. Il n'y a pas le petit hérisson au sol, je sais plus comment il s'appelle. Non, des fois, il y est. Oui, Shaymin, voilà. Oh! Et une nouvelle bulle commentaire là sur Balignon. Hein. Bon, chenipopote. Chenipopote. Du diamant ou du diamant. Le score le plus bas est à 4002. Allez, on tente. Dodrio. Oula, j'ai deux touches sur le Dodrio. On a du diamant, de l'or et du diamant. Eh ben on va partir sur l'or. Et je tenterai bien celle-là parce qu'elle est quand même très originale cette photo. Je l'aime bien. Guériland, du diamant ou du diamant. Score le plus bas est à 2. Et ça changera rien parce que il y a des fougères partout. Bon. Allez, on va prendre ça, c'est rigolo. C'est un légendaire ou fabuleux et deux formes. Il a deux formes? Ok. De l'or, qu'on peut améliorer un diamant. Je sais pas trop... Si, là, là, celle-là, elle est bien. Allez, c'est parti. Balignon, il y a un commentaire. Ça veut dire que les photos où il y a les commentaires... Alors déjà, c'est le 4 étoiles, on l'a pas du tout, donc on va se caler dessus. C'est pour la quête. Donc ça nous le dit maintenant, avant c'était pas le cas. Il suffit maintenant de prendre la photo la mieux, donc il y a la une qui est pas mal. Et ça va être la une, parce que c'est là où il est en plus gros plan. Si ça, ça fait pas du diamant. Roux carnage. Bon bah elle est ratée. Hein. Que note. Cette photo. J'en ferai presque ma photo de profil quoi. Contre pistache. Bon bah celle-là il n'y en a qu'une. Pichou. Du diamant ou du diamant. Ça va être difficile de faire mieux. Allez on part sur ça, il est en pleine action. Torterra, on a du diamant ou du bronze. Bon bah. Allez, c'est parti pour celle-là. Aucune donnée, c'est les photos ratées. On s'en bat les steaks. Direction le labo du professeur.
Bon, bah, c'est pas mieux. Tant pis. Dodrio, c'est pas mieux, mais la photo est quand même rigolote. Garyland. Ça fait quasiment 3000, ça. C'est généreux, hein. Emolga. Ah, une photo mieux. Balignon, une belle photo avec une mission. Roux Carnage, la photo est pas top. Kenotor. Elle est franchement rigolote, la photo. Flambibi. Ah, ça se joue pas grand chose, hein. Pichu, c'est nul. Torterra, c'est mieux. Verdict. Plus que 12 000, enfin plus que, mais on passe de 30 000, 31 000 à 18 800 à moi, après. Il faut faire 12 509. Et je vais supposer qu'il y a un niveau derrière encore et ça va être très difficile à aller au max. Oui, mais ça on s'en fiche, ça sert à rien, faut pas nous le mettre, monsieur. On s'en fiche. Ah, il aime bien la photo. Ah bah écoute, fais-toi plaisir. Hein. On y retourne. 12 500. Bon allez, 12 600 à faire. Il y a moyen de faire 6 000 sur les balignons en deux fois. Après je vois pas trop. Attendez, il y a Dodrio qui va débarquer. Voilà. Et normalement, j'ai une photo où... comment il s'appelle? Flambino tire la gueule. Mais t'es trop grand, toi. Comment tu veux que je te prenne bien en photo? Il y avait quelque part où j'avais repéré un papillon derrière moi. J'aimerais bien le retrouver. Salut. Oh, Rourou, viens là! Trop tard. Oh, mais il y avait quelqu'un d'autre. Il y en a partout des Molga, en fait. Là, j'ai fait des photos pour rien. La lumière, please. Ça a lancé ou pas? Maintenant, oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? C'est Ronflex? C'est Ronflex! Il y a un Ronflex. Oui, j'ai une super photo des Molga. Bon, les balignons là, je les ai pas trop, c'est pas grave. Bon, salut toi. Lui, on l'a déjà. En haut, en bas, en haut, en bas, qu'est-ce qu'il nous fait lui? Ah bah tiens, le retour des deux. On passe en bas cette fois, d'accord. C'est pas intéressant, vous savez que ça c'est une perte de temps en fait. Hein. Parce que là vous me bloquez. Je vais pas prendre le ventre du Torterra quand même. Là il est là. Oh je l'ai. L'imbécile. Oh, Torterra, magnifique. Un gros gros quoi.
carnage, je l'aurai jamais correctement. Les oiseaux. En gros, faut que je mette des pommes là-dedans. Mes pommes, elles arrivent pas là-haut. J'y arrive pas. Allez, changement de taille. Là, il y a Nymphalie. Nymphalie, je sais plus où est-ce que j'en suis exactement. Alors qu'on l'a fait tout à l'heure, Nymphalie. Okay. Là, il y a des papillons, il y a des guérilandes. Qui se barrent. Ok. Et sinon, il n'y a pas des Pokémon plus intéressants, peut-être. Voilà, des Balignons. Ça mange les gabalignons ou pas? Mange. Qu'est-ce qu'il fait? Il va manger ou pas? Oui, il va manger. Non, j'ai plus de photos. Du coup, je vais pas la voir quand il est content. Oh, dommage. Bonsoir, Eleanora. Bonsoir. Comment vas-tu? Ah, ben, Emolga et Balignon, t'es. Vous voyez qu'est-ce que je disais? Chenipote, 4005, 4002. Allez, on tente ça là. Flambibi. Bon, c'est pas ouf. Hein. Ça va tranquillou et toi? Bah écoute, pareillement, hein, ça va tranquillement. Dodrio. C'est rigolo, on dirait qu'il est bloqué là. Emolga en 3. Alors là, sans aucune hésitation. Mais c'est dommage parce qu'il y avait des photos des Molga, par exemple. Voilà, Saint-La, que j'aime beaucoup. Mais bon, c'est la 3, je l'ai pas. Bamos, Banco plutôt. Balignon, en 2. Ah ben, la pomme. Guériland. C'est pas cadré. Hein. Prismillon, 4004. Ah là, j'ai spamé. Oh, la 4 est bien. La 5. Ah, la 5 ou la 6. Du coup, ce serait plus la 6. Allez, la 6. Nirondelle. 4004, 3008. Pas convaincu. Torterra. 4000. Ah, peut-être là-dedans. Eh ben, ça sera... Oh, celle-là, elle est bien, mais il est pas centré. Et là, il est centré. Allez, celle-là. Roux Carnage. 4002. On le voit pas. Hein. Nymphalie, du diamant. Bon, en fait, il est partout. Nymphalie, c'est pas drôle. Ce n'est pas drôle du tout. Allez, on va augmenter ça là. On va voir. La fleur de Christ. On s'en fout de la fleur de Christ. Il y a une fleur de cristal à ce moment-là? Sérieux? Ah bon? J'étais pas au courant. Et Ronflex. Donc Ronflex, il y a moyen d'en faire quelque chose. Mais alors quoi? Je ne sais pas. C'est parti pour l'évaluation. Chenipote. Ah, ben voilà le Chenipote. On gratte 200 points. C'est pas énorme, hein, mais bon. 4004. Dodrio. C'est dommage, j'aime bien la photo. Emolga. Page complète. Ah, enfin, c'est pas trop tôt. Balignon. Ah, elle est nulle, la photo. Bon, c'est 2000. Mais elle est nulle.
Guerriland. On s'en fout. Sérieux, 3500? Ah là, je suis déçu par contre. Bon, c'est pas grave. Nirondelle. C'est... ouais. Je m'attendais à pire en vrai. Torterra. Ah, la photo du Torterra qui ramène du diamant. Voilà. Carnage, pas intérêt. Au carnage, j'arrive pas à l'avoir en vol. Mon infalie. Est-ce que ça fait les 12 000? Je pense pas. Vraiment, je pense pas. Ok, j'ai rien dit. Je me tais, ça le fait. Bon, bah écoute. Niveau max? Que demande le peuple? Vous avez atteint le niveau d'exploration maximum sur le parcours chemin caché de jour. Eh bien, on rentre à la base et on va le faire de nuit. Voilà. Niveau max. Sérieux, je pensais qu'il y avait encore niveau. Eh bien. Soit. Tant mieux, hein. On vérifie les objectifs. Non, c'est pas Kali, c'est Anthos. Je vais y arriver, oui. Y, Anthos. Anthos, Anthos. La force du fruit. Bon, trio de danseurs, c'est fait. Et du coup, j'ai gagné quoi? Des prunes, ok. Pas de quête. Ok, c'est parfait. Et du chemin caché de nuit, hein. Du coup, on enchaîne. Hein. Je me demande bien ce qu'on va voir de nuit. Ah bah peut-être le. Peut-être Ronflex. Peut-être que Ronflex il vit la nuit. Peut-être que Ronflex est un gamer. Car c'est connu, les gamers vivent la nuit. Oh, j'ai vu un chenipan. Sur ma. Ce côté là. C'est quoi ça? La droite. Booster aussi. Je vois pas de quoi vous parlez. Oh mon dieu, chenipan il m'a fait peur. Oh bordel, il m'a fait flipper. Salut, tu manges? D'accord, vibre comme un serpent sonnette, j'y vais. Oh, il y a du miel. J'aime bien. C'est Apitrini. C'est Anne. Ah, bon, je voulais faire la blague, je l'ai raté. Bon, mais ceux qui ont suivi Burger Quiz et l'actualité du cinéma d'une manière générale, vous avez compris. Oh, j'arrive pas. J'arrive pas, au secours. C'est joli, ça. Qu'est-ce que c'est quoi ces trucs, là? Qu'est-ce que c'est? Des trompignons? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est moche. Anne d'Epitrini, Anne d'Epitrini. Ouais. Ils me font flipper les chenipans. Hein. C'est moche ce truc, mais regardez-moi ça. C'est affreux. Sérieusement, mais s'il faut faire des choses comme ça pour dessiner des Pokémon, mais je vous en fais tous les jours. Hein. Ça les endort. Ça les... Bon, je pense que j'ai compris pour les au moins 3 photos sur les trucs. Je vous lis après, je vois que ça discute, je vous lis après. Torterra. Il n'y avait rien dans les trous, là? Ah, si. Oh, il y a des chenipans qui dehors. Qu'est-ce que... Oh, cool. Ça, c'est une photo volée, ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh! La reine. Bonjour, madame. Oh, elle est vénère, hein.
Bon, j'ai beaucoup fait de photos là. Je vois pas grand chose par contre. Est-ce qu'on peut mettre un autre phare s'il vous plaît? Je suis aveugle. Torterra. On fait dodo. Ah, raté. Qu'est-ce que c'est ça? Cornèbre. Bonjour. Oh bah, un scarabrut, dis donc. C'est quoi la musique? Allez, réveille-toi. Bonjour, scarabrut. Mais la photo est nulle parce qu'il est pas cadré, de toute façon. Il y a un boule de... Oh, il est beau! Bon, c'est pas grave. Mais j'ai vu autre chose qui me plaisait bien que... Punaise, je sais pas où c'est. Ah non, c'était un boule de nœud qui dort. Il y a quoi d'autre? Des papillons. Cornèbre. Mais, ah, quand même. Un abitrini. La reine. Il va se réveiller. Non. Oh, les fleurs, elles sont belles par contre. Hein. Oh! Gros carnage! C'est donc gros carnage qui est dans le nid. Bon, je sais qu'il va falloir que je la cadre mieux. Mais elle est faisable. La photo du gros carnage est faisable. Qu'est-ce que vous dites, Tino? On ne juge pas. Ils ont un cœur aussi. Mais j'ai pas dit le contraire. Je n'ai vraiment pas dit le contraire. Des torpéons. Papillons. Il me reste deux photos. Hein. Boule de nœud. Des trucs bizarres. Mais qu'est-ce que j'ai une question sérieusement, mais. Ça, on est d'accord, c'est un champignon. Mais c'est aussi un Pokémon. Donc un animal. Du coup, vegan ou pas vegan? En vrai. La question est posée. Vous avez 4 heures. Débrouillez-vous. Pas vegan. Ah. Ça part direct en avis tranché. Non mais j'ai le contenu pour votre confession. J'ai pu observer les différents comportements chez les Pokémon la nuit. Ouais, apparemment. Alors, chenipan en 2 et en 3, je n'avais pas. En 1, c'est en diamant, bon tant mieux. Ben là, c'est quand il dort, donc en prenant la photo un peu plus tôt, bien cadré, c'est possible. Par contre, pourquoi celle-là, elle est en 3? Pour la fleur, peut-être. Donc on va partir sur celle-là. Anne, on va la mettre en... Là, de toute façon, les scores sont pas ouf. Hein. Il y a la 5. La 11. Ouais, la 11. Trompignon, il vous a dit quoi? Ils ont manifestement des émotions, donc c'est pas du tout vegan. Ils sont très vexés par ton attitude. Je ne fais que poser une question. Trompignon que je n'ai qu'en une étoile. Ah, ça change ce que je pensais. J'ai un peu pris beaucoup de photos. Ouais. La 14 est chouette. Ouais, la 14.
Pas assez bien zoomé, mais bon. Roux Carnage. Oh. Ouais, elle est pas bien. Pointon. Il est de dos. Hein. Apirène en 1 que je n'ai pas. Et en 3 que je n'ai pas non plus. Donc on va partir sur la 3. La 6. La 6. Ouais, ça restera la 6. Torterra. Bon bah Torterra, voilà. Hein. Cornèbre. On va partir sur celle-là. Le score est déjà mauvais de base, donc on ne peut que s'améliorer. Celle-là, plus cadré, plus centré. Il fait une tête un peu plus rigolote. Scarabrut. Diamant, diamant, diamant. Génial. Allez, celle-là. Après avoir jugé moche, ils sont jugés bizarres. Puis tu te sers d'eux comme sujet. Puis tu te sers d'eux comme sujet. Je ne sais pas lire. Ça, ouais. En vrai, c'est toute une question philosophique intéressante. Hein. Le Prismillon en 2 étoiles. Il y en a 2 qui est sympa. Non, la 4. La 4 parce qu'il est plus cadré. Boule de nœud. Sert à rien. Ah, peut-être celle-là, elle est peut-être mieux. Il y a peut-être un truc à gratter ici. Et la fleur, on s'en bat un peu les secs en fait. Libérons les trompignons de l'oppression Jackienne. N'importe quoi, ça va pas non. Ok. Ok. Trompignon. Waouh. Je fais une bannière. Ça suffit, oui. Cornèbre. Oh, Cornèbre, ça s'est joué à un point pour le diamant. Ah ouais, celle-là, elle est quand même bien notée. Ok. Prismillon. Oh, dommage. Ah, je vous avais dit que boule de nœud, on pouvait avoir quelques points en plus. Par contre, boule de nœud en 4 étoiles, je l'ai pas. Comment faire? Ah, peut-être quand il s'accroche aux branches. 100 000! 100 000! Il y a du boulot. Tu as dû remarquer que les Pokémon adoptaient des comportements différents à cette heure-ci. Ouais. J'ai fait une bannière et des panneaux. Lançons le fist. Fédération internationale soutient le Trompignon. Oh non, mon dieu. Alors, par contre, Trompignon sans S ou O avec un X. Je dis ça, je dis rien. Et puis, non, c'est Trompignon sans S, quoi qu'il arrive, c'est un nom propre. C'est la colère qui parle. Bah, allez-y! Allez-y, faites vos bannières, faites votre manifestation sur Discord, là. Allez-y. Je vous attends. Même pas chiche. Nouvelle mission. Donc on rentre à la base, on va voir ce que c'est la mission, quand même. Une organisation qui frappe dur et qui va au fond des choses. Oh, Eleanora, de suite. Andorra, ouvre Paint. Au secours. Je n'ai fait que poser des questions et ça y est. Bon. Ah bah tiens. Une quête sur les trompignons. Essaye donc de prendre en photo des trompignons qui flottent dans les airs. Donc en gros, c'est des champignons qui font planer. Donc c'est de la drogue. Donc c'est illégal. Donc condamnation des trompignons. Voilà. Problème réglé. Poser des questions, pardon, je vais aller cliquer la rediff. Bah, c'est... Ah bah allez-y, faites-vous plaisir.
Comment est-ce qu'on peut avoir les trompignons qui flottent sans rire? Parce que... Il y a quoi en Pokémon avant? Salut Chenipouette. Oh, tu m'as pas fait peur ce coup-ci. Bon, je n'y pense, je sais comment t'avoir... Comme ça. Je sais où t'avoir correctement. Oh, le retour de Anne. Deux fois Anne. Du coup, c'est Anne 2 de Petrini. Je crois que j'avais déjà fait la blague en plus dans un épisode d'avant, mais je ne me souvenais plus. Ah, c'est là. Sautez. 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 Non. Ah bon. Oh, dommage. Bon, je vous retrouverai après. Attends, j'ai entendu un bruit. Qu'est-ce que... D'accord. Ce sont des circassiens. Très bien. Quoi ce bruit? Mais il y a Ronflex derrière. Et il y a Pichu et Flambino. C'est vrai. Alors pour le réveiller par contre... Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? C'est pas ici? Ah, c'est là. Alors attendez, les chenipans qui dorment. Ils dorment les yeux ouverts, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Game Freak et Nintendo ne savent pas faire fermer les yeux à des Pokémon. Ah, c'est la danse des canards. Voilà, ça l'a fait. Par contre, où est Ronflex? Bonjour madame. Oh, elle est pas contente. On lui coupe la tête. Tu leur sautes sur la tête de pierre en pierre. Oh là là. Je pense pas que je l'ai eu correctement le Scarabrut. Par contre, Ronflex, where are you, quoi? Oh, joli. Oh, bonjour. Non, il s'en fout. Quand Nabril essaye d'avoir des soucis avec Roucarnage. Mais où est Ronflex? Comment avoir le Ronflex? Parce que le Ronflex, en fait, le fait de l'avoir, ça permettrait, disons, 3 photos sur 4 dans l'album à raison de 3000, ça permettrait de gagner 9000 points. Juste Ronflex. C'est pas rien. Bon, les champignons, je pense que j'ai quand même des photos intéressantes. Il irait en omelette. En omelette avec des pommes. Manger les pommes? C'est très bizarre comment vous mangez les pommes. Hein. Et puis de photos.
Chenille pouette, allez en 3. Des chenipans qui dorment, il y en a 10. Pour l'instant, c'est la 7 ou la 8. La 10. Allez, on tente la 10. Mais je pense qu'il n'y aura pas un bon score. Champignon en 3. J'ai pas la 2. Ah ouais. Bon, trompignon en 3. Ça est bien, la 11 là. Pendant qu'il y en a un qui essaye de photobombe. Allez, la 11. Pourquoi tu regardes derrière toi à chaque fin de parcours? Pour regarder des messages. Simplement parce que j'ai là en face de moi, j'ai mon retour. Donc vous. Là, il y a la télé. Là, il y a l'écran 2 avec Streamlabs. Et là, il y a l'écran 1 avec Discord. Tout simplement. Donc, je ne réponds pas forcément. À part à vous au chat. Quand je suis en stream, je réponds pas au MP. Mais par contre, ça me permet de voir s'il y a quelqu'un, notamment de l'équipe, qui m'envoie un message au cas où si je fais une bêtise en stream. Voilà. Tout simplement. Et concernant les messages perso, c'est là-dessus. Flambibi, il n'y en a qu'une. Quanton. Mais pareil, je les lis, mais je peux pas répondre dessus. La danse des canards, on a dit. Ici. Apiren. Apiren, il n'y a que du 3 étoiles. Donc il va falloir bien choisir. Je dirais la 8. La 9 est un poil pas cadré. Oh, pourquoi la 9 ça a le centre en vrai. Ou la 13. Mais elle regarde pas. Je vais tenter la 9. Cornèbre. Voilà. Oui, on est d'accord, il n'avait que d'une étoile. Scarabrut. Pas ouf, hein. Il y a un 3 étoiles. Si cette photo fait mieux, je sais pas. Toi, par contre, peut-être que ça peut faire mieux, mais je suis pas confiant. Et là, il y en a qu'une. Et là, il n'y a rien d'intéressant. Je peux pas partager ma bannière ici, ce sera sur Discord. Alors. Ouais, ouais, mais là, sur Discord. Oh, page complète du chenille. Enfin, oui, chenille, pas. Compignon. Flambibi, tant pis. Quanton, la danse des canards, comme quoi, bah, ça a été utile. Apiren. Hop là. Cornèbre. Ok. Au carnage. Ok. Prismillon. Prismillon, c'est mieux? Ah, je suis content, c'est pas facile d'avoir une photo, d'améliorer les photos de Prismillon. Mmh. 22 000 sur 42 000. Il reste 42 000, pardon. Faut vraiment que je trouve comment faire lever le ronflex. Vraiment. Dommage, papa. Ça... Coucou, je vais végéter ici. Eh bien, bon végétage. Bienvenue. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Allez, on y retourne. Ça se dit végétage? Bon Kamehameha. Voilà. Comme ça, moi. Bon végétage, c'est bien. Je vous dis bonne nuit. Bonne nuit, Draken. Ah, il y a Anne de nouveau. On l'a vu. Elle est où? Anne, viens là! Retourne-toi! Retourne-toi! Allez! Elle a pas envie. Non! Elle est partie. Bon, on l'aura après. Chenille pouette, je t'aurai plus tard. C'est pas important. En fait, là, 22 000.
Ouais, il me faut Ronflex, les champs pipi, donc ces trucs là. Ah, punaise. Comment je peux vous... Si là, il n'y a pas une photo quand même. Il y a lui, il est bizarre là, il est tout seul. Bon, d'accord, il est pas tout seul, il y en a un derrière. De nouveau Anne. Cette sonnerie ne me manquait pas. Moi non plus, je te rassure. Un champignon en gros plan. Alors vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous alliez réveiller Ronflex? Il y en a deux qui se mettent l'un sur l'autre. Je pense qu'ils peuvent tous se mettre les uns sur les autres. Ah! C'est un jumpscare. Bon, Torterra. Je vais dessus, dessous. Qu'est-ce qui se passe? Allez, dessus ce coup-ci. Eh ben. Je comprends pas quand c'est une fois dessus, une fois dessus. Là, il y a le coin-coin derrière ici. Oh, toi! Il y avait un out-out depuis le début. Perdu, ça y est. Andorra, t'es un artiste. Allons bon, j'ai peur de ce qui... Qu'est-ce qui... Mais je peux pas regarder, moi, de suite. Je regarde après. Cornèbre. Scarab brut. J'ai pas grand-chose à faire sur lui, hein. De toute façon... Salut. Ou alors le spam, mais... Le papillon, on l'a déjà en bien. Voilà, elle est ratée. Là, il y a la reine. Mais surtout, il y a Roucarnage. Est-ce que tu vas manger? Il s'en bat les steaks. Bon, il y a boule de nœud. Boule de nœud, pareil, je pense que je peux le réveiller. Mais alors comment Sachant que j'arrive pas vraiment à atteindre la fleur. C'est raté. Bon, la reine, elle est où? Bonjour, madame. Bonjour, madame. Tournez-vous, s'il vous plaît. C'est pour une interview. Oh, elle se fait belle. Bah oui, hein. C'est la retouche maquillage avant l'interview. Hein. Ah, ça y est, elle fait son discours. Et Ronflex, je sais pas. Je ne sais pas. Ronflex, je sais vraiment pas. Il est pas là pour rien. Et c'est pas du décor, c'est, il est là. On peut le débloquer. Mais alors comment on... Merci, je sais, c'est une mauvaise monarque. Ah, ok. C'est une mauvaise papillon monarque, mais en même temps, c'est une abeille. Mais est-ce qu'elle a plusieurs cordes à son arc, la monarque? Si celle qui le dit, ça veut dire plusieurs cordes à mon arc. Je m'insupporte. C'est la Pyrène. Il y a les papillons. Il y a les champignons. Allez-y, battez-vous. Il y a un jeu de rythme, quoi. Il y a toujours pas de Ronflex, hein. Bonjour, madame. Pas de Ronflex, pas de Chai Minot. Oh! Eevee! Et Pikachu! Allez, on se réveille. Debout.
Non, ils veulent pas. Mais il y avait une fleur en plus, elle était là, la fleur, je l'avais pas vue. Mais je suis con ou quoi, j'ai tapé dedans. Ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas joué. La pire reine. C'est un concours de mauvaises blagues? Non, en vrai, j'aime bien. Ah, 4 points d'exclamation, génial, ça nous fait 10 000 ça. Non, j'en sais rien, mais c'est pas mal. Il y a du 2. Il y a du 1 en diamant, il y a du 3. Oh, c'est dommage, ça, ça vaut... ça vaut du diamant, ça. Mais il y a ça, là. Donc, la 2 est apparue. Ça veut dire que il y a moyen de l'améliorer. Chenipouette. Ce sera pas une grande amélioration. Anne, qu'est-ce qu'on en fait? C'est Anne Jumpscare. On va mettre... là, c'est le moins la voit mieux. Hoot-Hoot, que j'avais pas vu tout à l'heure. Ah, il est déjà en diamant, Hoot-Hoot, hein. Je mettrais bien la 4. Ouais, la 4. Cornèbre en 3, je l'avais pas. Oh mon dieu, ce regard. Et Cornèbre, il est en train de vous juger. Hein. Franchement... Chenipouette. En effet, Wadios. Scarabrut, voilà. Prismillon, bon bah il y en a qu'une. Roucarnage, je vois pas quoi faire. Il est dans une position quand même très précise. Donc je vois pas comment le faire agir ou comment le prendre en photo. Boule de neuf, bon bah ça fera rien. Apirène en 1 et en 2. Bon, en 1 c'est quoi? Elle brille. Ok, elle brille, elle est contente. Et en 2. C'est quand elle fait son discours. Et la 15. J'aime bien la 21. La 20 est mieux. Donc 20. 15 ou 20. Oh, la 18. La 18 aussi. Ouais, ce sera la 18. Evoli. Ah. Du diamant. Bon. Et Pikachu en 3 que je n'avais pas. Parfait ça. Non, 2000, sérieux. Amélioration sur le chenipan. Anne, amélioration. Super. Pas loin du diamant. Hoot-Hoot, amélioration. Cornèbre, diamant, direct, page complète, que du diamant, c'est parfait. J'ai dit, oui, cornèbre, j'avais dit. Scarabrut. Voilà. Prismillon. Ça, c'était prévisible. Roucarnage, je comprends pas. Boule de nœud, il y a du mieux, sérieux? Bon, de rien du tout, hein. Ok, très bien. Bon, j'ai toujours pas la 4. Apirène, du coup, je verrai le truc après. Evoli, amélioration. Pikachu, c'est gratuit. Page complète. Ah, ben, page complète, du coup. Bon, mais voilà. Suspense. Ouais, 16 000, hein. 25 000. Faut vraiment le Ronflex. Là, en fait, c'est la priorité, c'est Ronflex, mais je sèche. Donc Ronflex, il y a la reine que je peux récupérer, les champignons, les petits là, que je peux améliorer et avoir la photo manquante. Il y a un truc à faire avec Roucarnage. Et après, on le fait au hasard, au talent, à ce que vous voulez. On y retourne.
bien ça là. Il y a le miel qui est là. Le truc c'est qu'ils sont pas face à face, enfin ils sont pas face à l'appareil photo quoi. Il y a pas un truc derrière? Non. Là il y a eux, mais eux je comprends pas trop. Je pense que eux je peux les faire descendre et puis on peut les voir à un moment donné planer. Donc ça veut dire qu'ils peuvent descendre de là. Mais comment? Demi-tour. Non mais vous êtes gentil le trompignon, mais en fait il y a Ronflex derrière quoi. Il y a Flambibi aussi au passage avec Pichu. Qu'est-ce qu'ils font? Ça y est, ils se droguent. Je vous avais dit les champignons, il faut s'en méfier. Ouais, vraiment pas ce qu'il faut, je comprends pas. Je ne comprends pas. Salut! Oh, cette pose, magnifique. J'aime beaucoup. Non, celui-là, je l'aurai pas. Le canard, on s'en fiche. On repasse en haut. Ça veut dire qu'il faut faire demi-tour de suite. Il y avait un truc là-haut tout à l'heure, non? Bah c'est le hoot en fait. Bon, c'est pas grave. Il y a la reine là. J'ai perdu la reine. Bon, je jouerai après. Nèbre qui se gratouille. Scara brut. Ça sert plus à rien. Là, il y a un passage là quand même, hein, ici. Là. Ça doit être des Pokémon qui déboulent. Peut-être. Je sais pas. Oh mon dieu, c'est le gang. Ah, il a bougé. Il y a quoi dessus? Il y a rien. Zut. Mais il a bougé. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et la reine, vite, vite, la reine, la reine. Ouais, bon, j'ai à peu près des photos de la reine. Ouais, ça en avait pas mal. Si vous avez des suggestions par rapport au Ronflex, en vrai, bah, je suis preneur. Elle m'a fait flipper la reine, mais bon. Je l'ai eu quand même. Quoi. Peut-être que ça fait un truc. Une Pokéflûte, merci. Mais j'ai essayé la musique, ça fonctionne pas.
Alors si le chenipan il est pas mieux là quand même. Alors le miel. Il y a ça. Ah ça fera pas du diamant ça. Non non non. Trompignon. Allez, là, 8. Flambino, il est loin. Mais il est là. Mais il est loin. Out, out. Allez, on prend ça là. Cornèbre, il est pas content. 4001. 4001, quoi. Ouais, la 4, ou alors. Allez, la 4. Roux carnage. 4000. Je dirais la 12, mais sinon là-dedans. Allez, va pour la 12. Papyrène en une. Voyons voir la 4 quand même. Ouais, c'est du diamant. Alors là, je les ai prises vraiment à l'arrache. La 4. La 7. Allez, la 7. Mais sans conviction. Et le prismillon. Allez, go. Suspense. Chenipan, il y a du mieux. Bon, ça, c'est pas grave. Oh, beau diamant. Ah oui, quand même. Flambivy, y'a rien. Out, out. Ah, c'est dommage. Cornèbre. Tant pis. Roux carnage, y'a du mieux. Il manque la 4. Hein. La reine, c'est terminé. Mais la reine... Ah, y'a un poil à améliorer sur la 1, 2 et 3. Prismillon. Oh, ça joue à pas grand chose. Hein. Combien ? Ah, quand même, plus que 7000. C'était du grand art, mais il reste encore beaucoup de choses à découvrir. Plus que 7000. Eh ben on y retourne. Hein. 7000. On va voir. Et si j'accélérais avant que les champignons se mettent à la queue leu-leu pour attraper les pommes et aller voir en flex. Voilà. À partir d'ici. Alors. Là, ils en sortent, là. Comment faire ?
sais pas du tout. Là, il y a des champignons en bas. Mais je pense pas que ça fasse quoi que ce soit. On l'a eu à ma entreprise. Où il est où? Qu'est-ce que... Ah, la reine, parfait. Ah, elle est pas contente. Bonjour madame. Elle est complètement ratée la photo. Sur l'arène. Yes. Allez, l'arène. Attendez, il y a la fleur. Non, la fleur. J'arrive pas à la voir, cette fleur. Hein. Allez madame. Tourne-toi. Yes. Voilà. Il me reste une photo. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, j'ai plus de photos. Mais Torterra fait quelque chose de bizarre. Ah, il n'y a pas de point d'exclamation. Ouais, bah, ça va se jouer sur l'amélioration. 4007, ça va être dur, donc 4002. Peut-être ça, la une. La 9. La 9. Flambino. Voilà, hein. Chenipan. Oh, chenipan. Tu as un chemin alternatif pour ronfler. Tu débloques après avoir rencontré Dodrio. Dodrio? Mais Dodrio, je le croise au chemin de jour. Je l'ai pas vu, chemin de nuit, Dodrio. Il y a un truc que je l'ai zappé au chemin de jour dans ce cas. C'est bon à savoir. 4. Août. Allez, celle-là, parce que je l'aime bien. Apirène en 1 ou en 3. Elle est tellement difficile à prendre en photo, celle-là. Je dirais la 11, ou alors... Ou alors la 11, en fait. Torterra. Torterra. Cornèbre en... Oula. 4100... 4000... Celle-là, faut que j'améliore ça. La 11. Allez, la 11. Roux Carnage. La 4. Après avoir rencontré Dodrio dans ce niveau, utilisez votre scanner pour révéler un nouveau chemin qui vous conduira à Ronflex. Ouais, mais ça dit pas si c'est de jour ou de nuit. C'est ça le truc. C'est le même niveau, mais c'est pas. Si on sait pas si c'est de jour ou de nuit, c'est pas tout à fait pareil.
Il y a des chemins qui, des fois, ont des blocs de jour qui sont à débloquer de jour pour accéder à la nuit. Comme ça a été le cas pour le chemin. C'était à la montagne. Ah, j'ai plus le nom de la zone, mais c'était à la montagne. Champignon, 500 en plus. Ça, c'est chouette. Flambibi. Bon, ben voilà. Faut que j'arrête de prendre son nom en photo. Chenipan, 100 de plus. Anne. Ah, ben c'est raté. Out. Oh, out, sérieux, ça se joue à 4 points. La reine, c'est nul. Torterra, c'est dommage. Cornèbre, 390. Et Roucarnage. Ok, Roucarnage, je prends. Oula, il y a eu un flash sur la console. Suspense. Yes. Ah, fini. L'objectif est fait. Yes. On rentre à la base. On va voir si y a des missions. Je ne pense pas. Et j'ai un poil de temps encore, donc je vais quand même jeter un œil au chemin du jour. Parce que Ronflex, ça me turlupine. Pas de mission ? Parfait. Allez. Chemin caché de jour. Alors attendez. Selon la carte. On va revenir en arrière. Juste. Je crois que c'est au laboratoire. Oui, ça je le verrai. Je voulais le voir après, mais c'est pas grave. C'est ici qu'on voit en détail les parcours. Voilà, carte. Bon, celui-là, on va le scanner, ça sera fait. Voilà. Celui-là. Voilà. Ensuite, chemin caché. Chemin caché de jour. Donc, on passe le canyon aux champignons. Direct sur la gauche, il y a, on va appeler ça un enclos, ici, là, avec Ronflex. Donc Ronflex, il est là-dedans. Mais ça veut dire que c'est dès le départ, faut faire gaffe à Dodrio, là-dedans, là. Dès le départ, pas là-dedans. Et spammer le scan. Parce qu'après, de toute façon, il n'y a rien d'autre. Et de nuit... Ouais, c'est ça. Vu que Flambino, il est là, avec Pichu, Ronflex, il est bien là-dedans. Parce que quand je tourne la caméra, c'est à partir de là. Et là, on voit bien qu'il n'y a pas de Dodrio. Donc, c'est du Dodrio de jour. Allez, on fait le chemin de jour. Ah bah, tant qu'à faire, je vais faire ça. Voilà. Tac, on va clean ça, ça sera fait. Tac, voilà. La reine. Pikachu. D'autres champignons qui sont bizarres. De manière, tous les Pokémon champignons sont bizarres. Tous les champignons sont bizarres tout court, en fait. Ce qui ne veut pas dire que tous les champignons sont des Pokémon. Attention. On revient en arrière. Ça, je verrai après. Exploration. Chemin caché de jour. Juste par curiosité, quand même. Juste après avoir rencontré Dodrio.
On va pas y aller en accélérant. On reste sur le scan. Dodorigo arrive ici. Bonjour. Là. Les ronflements sonores se font entendre. On dirait qu'on peut passer par là. Ok, donc c'était encore plus avant en fait. Donc ok. À vérifier. Ensuite. Ah, le voilà. Oh, belle photo des guérillantes au passage. Bonjour. Dodrio aussi. Bon. Il est où Ronflex? Il est où? Il est là. Oh mon dieu, il va me manger. Regardez. Le vaisseau, il est plus petit que sa bouche. C'est dommage parce que... je le trouve mal designé. Ouais. C'est dommage. Ouais. Il n'est pas très bien designé. Ah, et on retombe ici. D'accord, ok. Sinon, je peux allumer la flamme. Voilà, par exemple. Bon, allez, on accélère. J'accélère là ? Ah oui. Pardon Torterra, pardon, excusez-moi Torterra, merci. Bonjour Pichu. Bonjour Hirondelle. Bonjour Dodrio. Flambivi aussi au passage. Allez, on accélère. Dodrio, faut vous. Merci. On accélère. Revient à taille normale. Il y a des balignons là. J'ai pas énormément de photos correctes de balignons. Bon allez, on finit le truc. Je vais peut-être refaire encore une fois le parcours, mais de nuit. Ou à Ronflex de nuit. Voir comment il réagit. Ah, bon, il n'y a que Ronflex. Guerriland. Allez, on tente. Dodrio. Ronflex. 12. Il n'y a qu'une étoile, quoi. Je pense que ça va être la première. Parce que les autres, elles sont vraiment pas top. Ouais, allez, la première. Emolga, il n'y en a qu'une. Torterra, il n'y en a pas 50. Balignon. Ah. Allez, ça là. Amélioration guérilland. Complexe, je dirais 2000.
2009. Ah oui, quand même. Orpera. Balignon. Et voilà. Lidouillé dans la forêt. L'abri de Ronflex. Cool. Nouvelle mission. Ah, bah autant la lire. Ronflex part en sprint en plein jour. Malgré sa réputation de grand feignant, Ronflex peut courir d'une manière tout à fait impressionnante. C'est sur la fin du parcours, ça. Mais d'où est-ce qu'il sort dans ce cas? Ok. Allez, une dernière de nuit. Et je vais vous laisser ensuite. Je sais pas. Oui, de faire un truc, je ferai après. Alors, scan. C'est par là. Yes, ici. Parfait. Ah! Il y a des canards. Faut dormir la nuit, les canards. Et Ronflex. Bah. Ronflex, comment tu veux que je te prenne bien en photo? Non! C'est déjà fini? J'ai pas eu Ronflex. Qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a pas eu les champignons en lévitation. Non. Ok. Poussez-vous les trompignons. Ronflex. Non, c'est Ronflex, je jure. Allez, on accélère. La reine qui était en réunion. On accélère, là on sait ce que c'est, Scarabrut. Hibernage. La reine de nouveau. Là, une photo correcte de la reine, bah, je sais pas ce que je fais. Allez, on va direct sur la fin du parcours. Sauf si la reine veut faire quelque chose, peut-être. Oui, la reine fait quelque chose, oui, en effet, oui.
Voilà. Je pense que c'est peut-être même la photo qui me manquait. Canard, ok, pichu, hop là, flambibi, hop là, compignon, il n'y en a qu'un, ronflex, yeah. 3 étoiles, ça c'est une photo 3 étoiles, sérieusement? Bon, la reine, 3600, 3600, 3005, ah mais là, je l'avais déjà celle-là en fait. Ah, bon, 3005, non, non, ça va être là-dedans. Dans les 12 photos d'ici. La 3. La 6. La 6. La 11. La 11. Ouais, la 11. Ensuite, le miel, Apitrini. Peut-être. Allez, celle-là, en espérant que ça dépasse les 4000, mais sans conviction. Dommage. Oh, bien! Sans bibi, bien! Compagnon. 1200, ouais, bah, ça c'est évident. La reine. Ah, c'est dommage. Ah, 4000, enfin. Et il manque quand même la 3 et la 4 sur Apitrini. Hmm. Bon, ça on le savait déjà. On rentre à la base, on voit la dernière notif. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Alors, les Pokémon. Je crois qu'il y a que Ronflex en fait. Point d'interrogation. C'est ça. La carte. De jour. Voilà, Ronflex. De nuit, Ronflex. Ah bon. Pichu et Loupanton. Et enfin, c'est quoi? Comment ça s'appelle? Bon, on va voir ce sera écrit. Le coin personnel, voilà. Alors, les titres. Attention à la tête, le lit douillet, c'est fait. Ah, ils ont classé les trucs. Bon, après, il y a des titres qui me manquaient déjà d'avant. C'est quoi ça? Tous les Pokémon dans le Photodex? Ah oui. Remplir les pages de 100 Pokémon. Cartographier un parcours. Pourquoi 0 sur 1? Bizarre. 3 millions de points dans le photodex, j'en suis pas loin. Les volis, je sais qu'il m'en manque une en particulier dans la montagne que j'arrive pas à voir. Je sais pas s'il y a Noctalie. Il y a marqué toutes ses évolutions, donc sûrement qu'il y a Noctalie. Prismillon, j'en suis très loin, j'en suis même pas à la moitié, alors j'en ai déjà eu quasiment une dizaine. Et Prismillon, je... C'est hallucinant quoi. 500 points dans la catégorie de Pokémon.
40 millions dans le score total de parcours. Bon, après là, on est sur des choses. Pousser des Pokémon à se déplacer sur 10 km avec des pommes, j'en suis à 1 km, sérieux. Faire briller. Ouais, bon, après ça, c'est. Là, c'est vraiment c'est les gens qui veulent spammer. Ça, c'est pas des succès qui m'intéressent, quoi. Analyser toutes les zones possibles avec le radar. Donc, il m'en manque quand même pas mal en vrai. Et voilà. Fiche perso, c'est les badges, les contours, c'est ça? Ouais. Non, mais je veux pas. Bon, ah. Je peux me remettre mon truc d'image, voilà. Le mode en ligne. Classement. Ça, c'est ce que je faisais gaffe. Avant la mise à jour. Maintenant, je pense que j'ai beaucoup de retard, donc je pense que je m'en fiche un peu. Ah oui, d'accord. Ah oui, j'ai bien reculé, en effet. Ça, c'est, ça sert à rien. Ils ont fait des scores de parcours par parcours, quoi. Et de parcours total. Voilà. Tac. C'est juste pour enlever les notifs. Voilà. Tac. Tac. Voilà. Ah, il n'y en a pas tant que ça qu'on fait le chemin. Hein. En vrai. Et voilà. Bon, ça j'y ai pas retouché, j'y retoucherai pas. Bien. Voilà pour cette session New Pokémon Snap. Ce fut court. Je sais. Mais c'est normal. C'est New Pokémon Snap, de toute façon, c'est normal. Quels sont les prochains rendez-vous? Demain soir, ce sera mardi, donc jeu en commu. Concept, jeu de société, on va se creuser les méninges. D'ailleurs, il y a une boîte concept derrière moi, une vraie jeu de société. Mais vous la voyez pas d'ici. Mercredi après-midi, New Pokémon Snap, on ira sur le fleuve. Mercredi soir, Spy Fox, c'est un jeu rétro avec un renard espion, et ça sera avec Draken, pas avec moi. Jeudi, ça sera en soirée New Pokémon Snap, donc la zone désertique ou désertée, je sais plus. Vendredi après-midi, Mario Golf, parce qu'il y a un nouveau parcours des nouveaux persos, enfin, juste pour se défouler plutôt qu'autre chose, enfin gentiment. Et samedi matin, nouveau rendez-vous. Et ça va être régulièrement les samedis matins, pas tous les samedis matins, mais je dirais 3 samedis matins sur 4 à peu près. Nouveau rendez-vous du sport et du jeu vidéo avec Ring Fit Adventure pour parce que bah, faut savoir prendre soin de soi. Et que je sais que perso, j'ai absolument pas la motivation de faire plus d'exercices que ça, donc je me dis, quitte à en faire, autant en faire d'une certaine manière, de le partager pour avoir la motivation. Donc c'est ce que j'essaye de faire. Petit coup d'œil au Discord avant pour admirer mon œuvre. Allez, je regarde Discord si vous voulez. Je pourrais pas la mettre sur le stream, donc les gens, je vous invite à rejoindre le Discord pour voir la magnifique œuvre d'Ando, un mode manifestant pour la liberté des trompignons. C'est magnifique. C'est magnifique, j'en veux un fond d'écran. C'est pas vrai. Au secours. Ah ouais, t'es parti loin dans ton délire. Merci, j'ai bien poussé. Oui, bah oui, tu étais en train de végéter, petite plante. Enfin, grande plante, même. Voilà. Pistache, fond d'écran trop tard, j'ai dit non avant. Prochainement, sinon, il y aura d'autres choses. Enfin, vous verrez, il y a une bande-annonce qui traîne. Allez chercher... Il y a plein de réseaux Ivasand, enfin, vous les trouverez. Il y a d'autres surprises qui arrivent dans l'année, de toute façon, vous serez vite informés. Et de toute façon, il y a un moment donné où on va vous intégrer dans ce qu'on fait, parce que, peut-être, il y aura des choses à gagner pour vous. J'en dis pas plus. Allez, prenez soin de vous, passez une agréable soirée, une agréable nuit. À demain. Cordialement, bisous.